Hey gosse, salut YouTube! Je reviens de toilette, c'était passionnant. Alors, pas du tout. Ce que j'ai vu, c'est que bien sûr on peut observer le haut de l'horloge. Donc, on va essayer un truc avec il est 3h, 3h45, ou 15h45, ou 4h moins le quart, ou voilà. Ou 16h moins le quart, si vous préférez. Moi j'aurais tendance à dire, je sais pas. Le fil derrière me casse les casser casser les couilles. C'est pour ça que je vous le dis. Alors, ce que j'ai essayé de faire, c'est alors peut-être mettre le 3 d'abord. 3. Ce truc est. Ça vient jusqu'à 12, oui. Donc 9. Et coincé, oui, j'entends. Est-ce qu'il faudrait pas que je le reset? Ah mais non, mais il doit aller bosser. Alors, il va bosser le matin, à quoi? 8h? 7h, 8h? Mais non! Ça veut dire qu'il est 3h et quart. 4 heures. Est-ce qu'il n'y aurait pas un dialogue où il nous dit à quelle heure il va bosser? Veuillez m'excuser, je vous dérange. Qu'y a-t-il? Il faut que je parle à Hans, monsieur. Non, non, pour la dernière fois, c'est hors de question. Au revoir, monsieur Donna. Albert. Oh oui, d'accord. C'est cela. Au revoir, mademoiselle. Alors, du coup. Je voudrais voir l'usine. J'ai pas d'autres interactions à part ici. Parce qu'il me semble qu'il y avait un gros rouage sur l'usine. Voilà, ce gros rouage-là, c'était pas une horloge? Est-ce que j'ai des... Ah sinon, la seule chose que je vois, c'est Anna Vorarlberg, mais... Ça m'ennuie d'y retourner pour rien. En vrai, là, ça va, hein. Il n'y a que 24... Cinémat... Il n'y a que 24 combinaisons. On voit le filtre, là, les gars, il est quand même bien dégueu, hein. Je pense que même à l'époque, on faisait mieux. Ça n'a rien débloqué. On va voir. Peut-être qu'avec Anna Vorarlberg, le dialogue horloge est apparu. Et ça va débloquer quelque chose. De toute façon, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Regarde, j'observe, j'essaie de voir s'il n'y a pas un élément caché. C'est pas. On aurait pu se bouger le cul quand même là. Hein? Là, Anna Vorarlberg. Marathon, hein, toujours de
Après, elle est dans les rêves, donc elle ne se fatigue que mentalement, et pas physiquement. Enfin, si j'avais oublié le mammouth dans la cave, je crois que j'aurais pété une pile. Faire tout le trajet dans l'autre sens. Merci bien. Alors, sert à rien, c'est ça? Anna? Oui. Est-ce que tu sais à quelle heure ton père retourne à l'usine? Oui, à 19h15, très exactement. Merci beaucoup. Voilà, 19h15. h 15. Alors comment je vais régler ça, moi, sur l'horloge, 19h15? h 15, c'est 7h. 19h15, 7h15, mais comment je vais mettre ça sur là? Donc on est censé être le soir, hein. Là, il est 15h45 pour eux. Voilà, faut que je fasse sonner l'horloge pour que ça fasse ding dong ding dong et qu'il retourne dans sa. Dans son usine, ce connard. D'accord que je peux pas. Neuf heures quinze. 5h. 19h15, pardon. 7h. 8h. Ah, attendez, ça décale. Écart. D'accord. Oula, je viens de comprendre. Ça décale de 1 demi. Et ça décale de 15. Donc là, on est sur. On a dit 10h. Non. Ah, ça fait le tour. Ça, j'avais toujours pas remarqué. Donc, ça fait 7h. Écart. Ça qui est coincé. Doit manquer quelque chose. Ah, j'ai pas fumé. 19h. C'est 7, 5, 6, 7. Je vais essayer avant. Genre, il est 7h, Paris s'éveille. Ah, ça c'est l'heure. Ça c'est l'heure exacte. Ça c'est l'heure qu'il faut. C'est l'heure qu'il vous faut. Ce truc est cu. Non, il y a forcément quelque chose pour remonter. Une clé pour remonter là. Oh, il va nous encore nous envoyer bouler, il est relou. Veuillez m'excuser. Qui a...
Là, je suis gêné là. Ce truc est... Et qu'est-ce qu'il coince, bordel? Moi, je veux bien te décoincer. Y a pas... Je peux pas interagir avec les chiffres ici. Je peux pas les faire tourner. J'ai rien où appuyer. J'essaie de voir, peut-être ça se voit mieux sur le retour. Regardez ma main. Ce truc est coincé. 19h15. 7h15. Ce truc. J'ai rien trouvé qui pourrait balancer ça. Truc à observer. Putain, il manque un petit élément. On est bien d'accord, j'ai pas fumé, c'est pas... C'est pas autre chose, c'est pas une autre horaire. Elle a bien dit 19h15. Ce truc. Ce truc. J'essaye tout, tout ce qui est écart. Ce truc. Ce truc. C'est le 3h15. Ce truc. Non, je serais mieux de faire ça, voilà. Ce truc. Ce truc. Je vais retenter le 3h. Ce truc. Ce truc est coincé, ce truc est coincé, oui, mais non. Enfin, je veux dire, j'ai rien pour débloquer, bordel! Ça, c'est là-haut. Et il n'y a rien. Et on est dans un monde de rêve. Et j'ai aucun élément. Bordel, le bit en bois. Ça, c'est parler. Et un mammouth. J'ai des endroits où je peux pas aller. J'ai pas retenté le dialogue avec Anna Vorarlberg. Ça se trouve, il y a... mais j'ai essayé, mais l'horloge est cassée. Et là, il y a une clé dans la porte. Ça pourrait pas servir? Non, hein.
Tant pis, on retourne voir Anna Vorarlberg, on sait jamais, elle va peut-être nous dire oui, tenez, voilà la clé. Non, je pense qu'elle va juste nous envoyer bouler. Tout de suite, j'aurais dû insister sur les dialogues. Personnage. Pour être sûr de ne pas avoir raté quelque chose. Anna? Oui. Est-ce que tu sais à quelle heure ton père retourne à l'usine? Oui, à 19h15, très exactement. Merci beaucoup. Anna? Oui. Est-ce que tu... Oui, à... Merci beaucoup. 19h15. C'est bien la bonne heure, 19h15. 7h15. Je peux pas bouger les horloges. Ah, du coup, on s'enfonce dans la forêt. Non, mais est-ce qu'il n'y aurait pas, je sais pas, un poids? Non, mais même dans le monde des rêves, je me retrouve bloqué. Non, mais les gens vont se moquer au bout d'un moment. Et ils auraient raison, bien sûr. Et j'ai pas sauvegardé, j'aurais pu me retrouver à un meilleur endroit. J'aurais pu recharger à un meilleur endroit. Mammouth. Mammouth. Ça c'est. C'est le même endroit. Rien de plus, y a rien de moins. Retour à l'usine. Enfin à l'usine. Pardon. Retour à la propriété. Là je suis. Je vais dire suspect, non, circonspect. J'ai toujours l'air suspect, bien sûr. C'est ça, je vais faire le vroom vroom. Jusqu'à ce qu'on trouve la solution. Regardez, c'est notre Formule 1, elle s'appelle Catwalker. Et elle parcourt les rêves. Et parcourir les voies ferrées, les ours et la Sibérie, un monde imaginaire, Sibéria, ne lui suffit pas. Elle parcourt aussi les rêves. Marrant, mécaniquement, je mets mon autre main sur le clavier, comme pour tous les autres jeux, alors que ça ne sert à rien dans ce jeu-là. Alors que ma main serait tellement mieux dans mon... Bip. Kangourou. D'ailleurs, slip kangourou, hein, j'aurais dû préciser. Bien sûr, le bon slip de grand-père, quel on peut stocker jusqu'à 4-5 kilos, ça reste au chaud. C'est plutôt pas mal. Pas rentrer, on est d'accord, dans l'hôtel. Welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely place. Et ça, bien sûr, c'est de la bite. Hein. J'ai eu envie de faire tab, comme dans PUBG. Pas aller plus loin. Genre, qu'est-ce qui est au sol et qui pourrait nous servir? Faisons tab. Ok. Elle était cachée derrière le poteau.
truc est coincé. Coincé par quoi? On connaît la maison, on a déjà fait le tour. Voilà, il y a les jardins suspendus de Babylone, tout ça. Je tourne en rond. Merde. C'est la bonne heure. C'est, je ne peux pas faire autre chose, c'est la bonne heure. Ce truc. Ce truc. J'adorerais pouvoir effectuer le mouvement de balancier pour pouvoir régler. Je veux bien foutre le mammouth quelque part, moi. Les aiguilles, là, elles posent problème. Il y a un souci. Pour moi, je devrais pouvoir régler ça. Ou alors, faut que je me mette sur 3h45, du coup. C'est vrai, du coup, maintenant que j'ai compris le système, je peux peut-être essayer le... Faisant avancer comme ça. Non mais non, c'est pas du juste. C'est pas du juste prix là. Écoutez, YouTube, je mets pause et je reviens une fois que j'aurai trouvé un élément nouveau. A tout de suite. Bonjour YouTube, je vous reprends là. J'ai une théorie qui est, je considère qu'on est à 3h45 et il faut aller jusqu'à 19h15. Donc on va dire 15h45. Donc entre les deux horaires, ça veut dire qu'il y a 3h30. Donc j'ai envie d'essayer 3h30. Alors j'avais pris le mammouth, je sais pas pourquoi. 3h30. Ce truc. Merde ! Ce truc. J'ai bien fait le calcul quand même. 3h, 15h45. Il va bosser à 19h15 si je rajoute. Et 16h15, 3h, oui, c'est ça, 3h15. Ce truc. Donc, c'est pas ça. Bon, bah écoutez, je vous retrouve avec une nouvelle théorie. Bonjour YouTube. Je pense que ça fait à peu près 10 minutes que vous ragez sur cette vidéo en disant: mais putain, quel con, il ne sait pas lire l'heure. Exactement. Je ne sais pas lire l'heure. Je sais pas pourquoi je pensais qu'il était 3h45. Il est 2h45, putain. Gros débile. Il est 2h45. Ce truc. Alléluia. Ce truc. Est-ce que du coup maintenant je peux aller changer l'heure des... Non. Donc, ce que je fais maintenant... c'est que je le règle sur ce truc. Et là go. Non, tu veux rire, je peux pas l'avancer plus vite. What? J'ai rien compris.
Alors, soit j'attends. C'est lent. Pas trop vite, pas trop vite, pas trop vite, pas trop vite. Je peux pas l'arrêter, le balancier. On avait dit quoi? Non. On va finir par y arriver. Trop. Trop, beaucoup trop. Ah, c'est bon ça. Non! Non, c'est là! Que là, ça fait. Bah non, là, ça fait 20h45. Je remonte le temps. Tout petit peu. Alors, il doit y avoir. Y a pas du tout de notion de. On attend. Vous savez quoi, on va attendre. Hein. Y a quoi? Salut Bernabub. On va attendre. On va attendre. C'est la... c'est le bon créneau. Tant pis, on va se faire chier, mais on va attendre. J'espère qu'il faut pas que je re-règle l'or de sonner. Là. Ça va être chiant, mais ça va sonner. Là, que dalle. Et ça va pas tarder. C'est lent. Et comme j'ai rien compris au système des balanciers, on va attendre. Est-ce que j'aurais pu les faire avancer moins vite? Je savais qu'on pouvait rebouger le. Donc, en fait, il fallait juste régler l'or. Pour relancer l'horloge et après jouer avec les poids pour emmener à la bonne heure, mais j'ai pas réussi à comprendre comment on jouait avec les poids pour emmener à la bonne heure. Désolé d'être fanboy, mais y a pas de souci. Regardez, on m'aime, c'est beau. Alors, c'est soon, c'est bientôt. Allez, va bosser, feignant. Ding dong, ding dong. I'm ding. Ah, c'est go là. Je me suis pas couru dans l'heure. Non, voilà. Allez, c'est long, c'est chiant, et c'est bientôt. I'm ding, ding dong. C'est cool. Vas-y, go. Ce câble m'ennuie. Allez. Oui. Blague. Quoi? Précise. Putain, pourquoi je l'ai pas fait sonner? Pourquoi ça n'a pas sonné? Non, 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 je veux plus le voir lui, c'est bon. J'ai compris, j'ai raté le créneau. Mais c'est 19h15, j'ai attendu 45, c'est 15. Mais gros débile. Repas de famille nul, bonsoir, bonsoir. Y'a pas de soucis, bonne soirée à tous les deux.
Mais quel gros débile! Putain, mais concentre-toi! 19h15! Là! Ah, du coup, allez, c'est reparti! On le fait mumuse avec l'horloge! Et c'est bientôt le moment! Et j'ai laissé passer le moment! Et j'ai trop remonté le temps, probablement! Non, mais il y a trop de temps dans les interactions là! Non, c'est trop tard! Oh là là! Ils m'ont fait un cadeau d'anniversaire et ma tante me tripote. Eh ben bon anniversaire, Bulle Bronzard! Parce que visiblement, c'est ça aussi le message. Et tant que c'est que les joues, ça va. Je suis sûr que le temps que je fasse le truc, c'est passé. Non, non, et te... Ah! Oui, t'as... Non! Allez, casse-toi! Casse-toi le vieux! Et là! Là, ça va faire gling-long, gling-long! Ah bah non, il s'en fout! Ouais, bien sûr! Trop de temps à s'arrêter! Trop de temps! Mais là, j'ai 4 putain, à un quart d'heure! Du Nord, elle peut me tripoter autre chose. Dis donc. Là, hop. Ça donne quoi? C'est dégueulasse. Putain, j'ai laissé encore passer le créneau, bordel. Et là, je fais instant, 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 instant. Et là, c'est magique. Non. Trop tard. Ouais, tu... Y'a pire. Y'a pire qu'être vieux. Tu pourras avoir mon âge. Oh, bordel! Pardon. Alors... Ne pas s'énerver. Pas s'énerver. Tire la bobinette et la chevillette chère. C'est dans le mauvais sens. Mais on s'en fout. J'ai pas moyen de ralentir ce... Non. Tourne, 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 tourne. On va essayer de choper le prochain créneau. Alors là, trop tard. Oh putain, à une demi-heure près, hein. Relou. Oh. Trop, 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 trop. Là. Tellement long, tellement chiant. Si vous avez pas compris, il faut que j'arrive à faire l'heure 19h15. 19h15. Donc 19h15. 19h15. Donc petite, grande. Maintenant. Mais non, mais je peux pas attendre une heure. Surtout, c'est long. Je peux pas clac, 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 clac. Non, non. Trop long. Trop long à attendre. Maintenant. Non, c'est qu'une question de bol, c'est pas possible. Oh, m'en fous, on attend. On attend.
Inexorablement, il attend. Eh ben, un gameplay approximatif et un cerveau mort comme le mien, ça fait une vidéo sur une horloge. Incroyable! Une vidéo sur une horloge. Personne ne l'a fait à part moi. J'en suis très fier. Allez, sonne! Sonne! Si je me suis gouré dans l'heure. Je suis pas gouré dans l'heure. Putain, mais j'arrête pas de l'observer. Non, mais me dites pas que l'heure est passée là. Pas que j'ai oublié de faire un truc. J'ai pas vu. 19h15? 19h15? Quoi? Non mais non, mais arrête d'appuyer au centre, putain! Quoi, ça n'a pas sonné? Est-ce que ça, ça a de l'importance? Maintenant. Heure et quart. Pourquoi j'ai fait ça? Allez, c'est reparti. Oh, c'est beaucoup trop long. Quoi? Ah, en fait, je pouvais la faire sonner quand je voulais? Oh, bordel de merde. Oh, bordel de merde, je me déteste. Et je déteste ce jeu. Et je putain de merde. Ouais, c'est ça, casse-toi, connard. Salut YouTube. On se retrouve pour la prochaine vidéo. J'aime la vie.